Cannes 2023, Ben Madi se confie sur la défaite face à l'Angola. Riyad Mahrez face aux critiques après le match contre l'Angola. Angola-Algérie, Ben Madi dévoile la vérité derrière la performance décevante. L'ombre du stade Japoma plane à nouveau sur la formation algérienne, Réminiscence du match nul il y a deux ans contre la Sierra Leone, 0 à 0, au Cameroun. Le démarrage de la Cannes 2023 pour l'Algérie s'est avéré décevant avec un match nul à une face à l'Angola, groupe D, lundi à boqué en Côte d'Ivoire. Les Verts ont déployé un visage séduisant en première mi-temps, orchestrant un jeu rapide et vertical. Youssef Belaïli, revenu dans l'équipe, a brillé sur le côté droit, bénéficiant du soutien constant de l'infatigable Ryan Ait Nouri et des appels incessants de Bagdad Bounedja. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont harcelé la défense adverse, multipliant les attaques incessantes. Malgré quelques tentatives infructueuses, Bounedja a ouvert le score de manière opportuniste sur une longue passe en profondeur, 18ème. Il a également marqué un deuxième but acrobatique, annulé pour hors-jeu, privant ainsi les Verts d'une avance plus confortable. La seconde mi-temps a révélé un autre visage des camarades de Riyad Mahrez. La débauche d'énergie de la première période a laissé des séquelles. Des joueurs clés tels que Ismaël Benasser, Mandi, Nabil Bintaleb, Youssef Attal, Youssef Belaïli et même Riyad Marez, qui étaient invisibles lors des 45 premières minutes, ont sensiblement baissé d'intensité. Un déclin exploité habilement par les joueurs de l'Angola, physiquement plus frais, qui ont réussi à inquiéter la défense algérienne. Sur une action anodine, Nabil Bintaleb a commis une faute dans la surface, concédant un pénalty logique. Mbolulu l'a converti, c'est l'égalisation pour l'Angola, 68 e Face à l'incapacité de son équipe à maintenir le cap, Jamel Belmadi a opéré trois changements, remplaçant Belali, Bounedja et Bintaleb par Adam Islam Simani et Ramiz Zerouki. Bien que ces changements aient légèrement dynamisé le milieu des Verts, cela n'a pas suffi, et le match s'est conclu sur un score de 1 à 1, lançant l'Algérie dans une compétition déjà compliquée. En conférence de presse d'après-match, Jamel Belmadi a livré son analyse de la rencontre. Nous avons eu des moments forts, eux aussi. Nous avons encaissé l'égalisation sur penalty. Ce n'est pas mérité, a-t-il dit. Le sélectionneur national a estimé que les Verts n'ont pas été très efficaces en première période, durant laquelle ils ont eu de nombreuses occasions de marquer. On s'est fait punir, on devait marquer les occasions qu'on a eues et être plus tranchant devant les buts, a constaté Jamel Belmadi, qui promet de rebondir face au Burkina Faso samedi prochain. On va travailler pour essayer de corriger les fautes et être prêt psychologiquement, a-t-il dit. Avec des joueurs qui ont très peu de matchs dans les jambes comme Benasser, Atal, Mandy, la baisse de niveau de Marès, les problèmes physiques de Belali, les verts auront du mal à s'imposer dans cette canne. Déception et interrogation, Riyad Marès face aux critiques après le match contre l'Angola. Suite au match nul décevant face à l'Angola, Riyad Marez, en tant que capitaine de l'équipe nationale algérienne, a partagé ses espoirs et ses inquiétudes quant à la performance de l'équipe. Malgré un début de match prometteur, la seconde moitié a été marquée par une baisse de performance, notamment avec un pénalty encaissé. Marez, lors d'une déclaration en zone mixte, a souligné la nécessité d'une attitude positive pour surmonter les difficultés et a exprimé son optimisme quant à la suite du parcours. Cependant, une déclaration énigmatique sur la libération de l'autre côté a suscité des questions parmi les observateurs et les supporters, ajoutant une dimension intrigante à la situation. Malgré le résultat mitigé, Marez a mis en avant la qualité intrinsèque de l'équipe, exprimant sa confiance en la composition talentueuse de l'Algérie. Il a reconnu la performance positive en première mi-temps et a exprimé sa détermination à corriger les erreurs en vue du prochain match contre le Burkina. D'autres joueurs clés, tels que Bagdad Bounedja, Kevin Gitoun et le gardien Anthony Mandrea ont également partagé leurs impressions après le match. Bounedja a souligné l'intention de corriger les erreurs lors des prochaines rencontres, Gitoun a insisté sur la nécessité de travailler sur les aspects à améliorer lors des entraînements, tandis que Mandrea a rassuré les supporters en soulignant que le match n'était pas la fin du monde. Cependant, les critiques envers Marès se sont intensifiées, notamment celles du journaliste Walid Cherchur. Sur le plateau de Winamax, Achercho a exprimé sa déception envers la performance de Marès, soulignant un manque d'implication et le qualifiant de déconnecté pendant une grande partie du match. Il a également remis en question la relation privilégiée que Marès entretiendrait avec l'entraîneur Belmadi. Le Figaro, média français réputé, a également pointé du doigt l'absence d'implication de Marès dans les moments cruciaux du match. Le journal a souligné que malgré les attaques concentrées sur le côté gauche du terrain, le capitaine algérien était souvent absent lors des moments clés, suscitant des interrogations sur sa capacité à retrouver sa forme dominante de 2019. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.